Fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and bed of sapon. Bonjour, c'est Bidib de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 14 mars et j'ai continué donc les mêmes lectures aujourd'hui que la semaine dernière. Donc ce matin, aujourd'hui je travaillais au bureau, donc j'ai pris le train, ce qui me laisse pas mal de temps pour lire. Donc ce matin j'ai fait mon aller avec L'île sous la mer et j'ai pas lu énormément de pages parce que je lis assez lentement, mais voilà, je vous disais la dernière fois que on rencontrait encore de nouveaux personnages, et parmi ces personnages il y a un docteur que j'aime bien. J'espère qu'on va le suivre un peu plus longtemps que d'autres personnages. En tout cas je le trouve très intéressant, et là je crois effectivement avoir vraiment identifié qui est le personnage principal. Et donc là on est vraiment dans la mise en place, parce que pour l'instant il est encore très très jeune, et surtout elle prend pas trop part au récit, c'est vraiment un figurant, mais on a ses commentaires sur ce qui se passe dans des chapitres qui lui sont entièrement dédiés, où elle s'exprime à la première personne en italique. Donc je pense que c'est vraiment elle qui va être le fil conducteur du roman, et c'est la petite esclave qu'on découvrait au début de l'histoire. Donc je sais pas trop encore où est-ce qu'on veut aller avec cette histoire, mais voilà, le décor se met en place de plus en plus précis. Et pour le retour, j'ai continué Possession. Alors les parents de Malo sont vraiment... Bon, les pauvres, ils viennent de perdre un enfant, donc on comprend qu'ils soient complètement déconnectés, mais à part le fait qu'ils sont effectivement à leur chagrin, qu'ils sont déconnectés, qu'ils ont d'ailleurs un petit peu oublié Malo dans l'histoire, puisqu'ils s'intéressent beaucoup à la sœur qui est toujours là, mais ne s'intéresse plus du tout aux petits garçons. Mais en dehors de ça, ils ont même quand même une personnalité que j'ai un peu de mal à... Ils sont pas très intéressants, quoi. Mais contrairement à la famille de Hal, qui a l'air beaucoup plus intéressante. En tout cas, on a de nouveaux épisodes très inquiétants où Malo trouve que sa maison a des comportements étranges. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est Malo qui a des hallucinations, ou est-ce que la maison est vraiment hantée? Donc suite au prochain épisode. Maintenant, avant de passer aux tâches ménagères, je m'accorde une petite pause. Gâteau chocolat sans gluten et un petit thé. On se retrouve demain. Petit tour en librairie avec Mimiko. On a craqué, surtout moi, pour des mangas. Mimiko, elle a pris le roman de Demon Slayer, et j'ai trouvé une lecture tout appropriée pour le mars féminin dans la boîte à livres. Un roman en plus que j'avais envie de lire depuis un moment, mais je n'osais pas l'acheter. Et voilà, là il s'offre à moi, donc je ne sais pas quand je vais le lire, mais en tout cas je l'ai trouvé très à propos pour le thème du mois. Bonjour, on est mercredi matin, aujourd'hui je travaille chez moi, donc pas de lecture roman ce matin puisque je ne prends pas le train. Par contre, je viens de recevoir un gros colis et je sais pas du tout ce que c'est. J'attendais des choses, mais c'est de toute évidence pas ça. Et là, je suis trop contente, je sais pas ce que c'est. Il y a plein de choses. Ça a l'air... j'ai l'impression d'être un jour de Noël. Je sais pas qui m'a envoyé ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'encens. Petite boîte. Des livres. On a des... Oula, mais il y a plein de choses, je sais pas ce que c'est. Ah, trop drôle. Pour se reposer, pour faire la sieste dans le train, ça va être parfait ça. Petit chouchou. J'espère que c'est pour moi et pas pour une de mes filles, hein, parce que si ça se trouve, je suis en train de leur piquer leur cadeau. Rose de sable. Encore plein de choses. Ah, je vais prendre le temps d'ouvrir ça correctement et de voir si je pique pas les cadeaux de quelqu'un d'autre quand même.
n'y a pas de mots, il n'y a pas de... J'ai pas trouvé de lettres pour l'instant. Je ne sais pas qui c'est qui m'envoie ça. Il y a vraiment tout. Qu'est-ce que c'est comme livre ? Mais c'est génial! C'est un livre que j'ai gagné grâce à Rose Poudrée. Et je m'attendais juste à recevoir le livre, pas du tout avoir un colis aussi riche en surprise. J'adore. Merci beaucoup, c'est super, super. Donc en plus du livre que j'ai gagné, j'ai plein de petites choses, de petits cadeaux supplémentaires. D'ailleurs, il y a deux autres livres avec. Voilà, parce que nous avons Rituel de EDS. Un autre monde. Intéressant, super. Alors là, j'en reviens pas. Surtout que ce concours, il faut que je vous raconte, parce que c'est quand même une anecdote assez rigolote. J'avais participé parce qu'avec ma fille, on s'intéressait aux pierres. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Le livre, justement, tombe à pic sur ce à quoi on s'intéresse en ce moment. Je participe et puis ça me sort de la tête complètement. Et l'autre jour, j'étais dans une librairie, je trouve deux livres sur le sujet. Donc, je lui envoie les photos, lequel tu préfères, etc. Et comme elle était à son travail, elle n'a pas eu le temps de me répondre. Moi, je devais retourner au bureau. Donc, tant pis, je dis, c'est pas grave, j'aurai une autre occasion de trouver des livres sur le sujet. Je rentre chez moi et le soir, je reçois un message. Vous avez gagné le concours. J'étais là, c'est pas possible. J'ai trouvé ça trop, trop marrant. Comme coïncidence, quoi, le fait d'avoir loupé... l'achat en librairie et puis de rentrer et d'avoir gagné un livre sur le sujet, je me suis dit, c'est fait exprès en fait qu'elle n'ait pas eu le temps de me répondre. Oh, j'adore! Oh, trop mignon! Bonjour, nous sommes vendredi matin. Je vous retrouve dans mon bureau où je me suis installée avec un petit café pour faire le point sur mes lectures. Petite gorgée de café quand même pour être réveillée. Alors, hier dans le train, j'ai bien avancé dans Possession de Mocha. J'aime beaucoup. Alors, la famille, je disais la dernière fois que les parents de Malon ont l'air vraiment bizarres. Finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment leur personnalité, quoi. Ils ont été comme envoûtés par cette maison. Et ils se renferment de plus en plus dans la maison. Ils veulent enfermer Malo avec. Et en même temps, Al a intrigué sa sœur qui se met à faire des recherches sur la... sur la maison, sur le nom de la rue, etc. Donc il y a toute une enquête avec un historien qui de curiosité, va aussi mener son enquête. Et Malo, qui est prisonnier de cette maison, qui ne veut pas la laisser sortir. Donc c'est vraiment intriguant. On veut vraiment savoir... même si ça s'adresse vraiment à la jeunesse, hein, c'est un roman jeunesse écrit pour la jeunesse, dans le style et tout, c'est vraiment assez simple à lire. Mais il y a quand même vraiment ce suspense où même moi, je me régale vraiment. Je me dis, alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont s'en sortir? Surtout que voilà, là, toute la famille semble tellement prise au piège qu'on se demande comment Malo va s'en sortir et est-ce qu'il va réussir à s'en sortir avec sa famille. Donc voilà, là, je suis... Il me reste un tiers à peine du roman. J'en suis à la page... Voilà. J'en suis à la page 136. Bon, voilà, j'arrive à la gare, donc j'ai abandonné ma lecture alors qu'il me restait que quelques lignes pour finir mon chapitre. Donc il me reste pas beaucoup pour finir, mais voilà, je suis vraiment, vraiment intriguée par cette lecture. Donc je suis contente d'avoir voulu réessayer parce que, comme je disais, le premier roman... que j'avais lu de Mocha m'avait laissé un peu perplexe, pas tellement parce que je n'avais pas aimé, en fait j'avais bien aimé, c'est pareil, il y avait beaucoup de suspense, etc. Mais j'avais été un peu perturbée par le fait que les personnages croient que leur père est mort au début de l'histoire et c'est comme ça jusqu'à la fin. Et je me disais, un enfant, surtout ça s'adressait à des enfants de 10 ans, je crois, 9-10 ans. Je dis, un enfant, il va pas lire 150 pages en une seule soirée. Et s'il veut qu'on dorme, il faut pas lui faire croire que le père est mort au début, quoi. Donc, enfin, ça m'avait laissé un petit peu perplexe. Là, c'est un peu différent parce qu'effectivement, les parents sont quand même pris au piège. Donc, ils sont très inquiétants. Mais ils sont pas morts.
Donc on peut quand même se dire Malo va réussir à sauver sa famille, quoi. Donc on ne sait pas trop comment. Alors il y a aussi la sœur qui est morte dès le départ, mais du coup c'est pareil, c'est un personnage qui... L'histoire commence, elle est déjà morte. Donc c'est pas comme si on s'attachait au personnage et qu'il venait à mourir après. Donc je pense que l'impact émotionnel est pas le même pour un jeune lecteur. Et en même temps, c'est bien aussi des lectures avec des événements tragiques, parce que bah, la vie, c'est aussi ça, c'est aussi des événements tragiques. Donc je ne suis pas contre le fait d'avoir des lectures avec des choses graves, mais la façon dont c'est géré quand c'est pour des très jeunes lecteurs, voilà, ça peut tout changer, quoi. Donc l'autre roman, Tu es la peur ou quelque chose comme ça, voilà, m'avait laissé perplexe pour ça. J'avais trouvé l'intrigue très bien menée, mais j'étais inquiète par rapport à l'âge des lecteurs. Alors que là, moi, en tant qu'adulte, je me régale, mais j'ai pas d'inquiétude quant à un lectorat beaucoup plus jeune que moi sur la gestion du stress lié au suspense de l'intrigue, quoi. Je trouve que c'est plutôt très bien mené. Ensuite, j'ai pas eu le temps de vous faire des updates, mais jeudi, avec Mimiko, on s'est fait une petite pause de lecture manga. On a l'habitude le soir de se poser... À l'heure de l'apéro, toutes les deux au salon, avec chacune notre lecture, et j'ai choisi La danse du soleil et de la lune, une nouvelle série qui vient de sortir chez Kiun. Enfin, je dis qui vient de sortir parce que je viens de la découvrir, mais je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle est sortie. En tout cas, c'est assez récent. Et la couverture, je la trouvais magnifique, elle m'a fait tout de suite très envie. En la feuilletant en librairie, j'ai vu qu'il s'agissait de samouraïs, d'histoires d'épées, un peu avec des fantastiques, avec ce personnage principal qui appartient, donc vous voyez, il a l'air un peu dans le désert comme ça. Il appartient en fait à une famille de samouraïs, mais il a une sorte de malédiction, il peut pas toucher d'objets métalliques. Le métal se tord à son contact, ce qui fait que bah, il peut pas manier le sabre, sauf que c'est un samouraï, donc il peut rien faire d'autre que ça. Donc il est pauvre, il est miséreux, il est déprimé, il veut en finir avec la vie, et à un moment où il est sur le point de se noyer, une main de femme le rattrape et lui dit tu peux pas, je peux pas te laisser mourir comme ça. Et le lendemain, quelqu'un se pointe chez lui pour lui proposer un mariage avec une très belle femme. Donc lui, il est hyper méfiant, il se dit mais qu'est-ce que ça cache? Pourquoi est-ce qu'elle veut m'épouser moi qui suis si misérable? Mais finalement, petit à petit, entre eux se lie une jolie relation. Il commence à relâcher un petit peu sa méfiance, sauf que twist de fin, il se passe quelque chose que je ne vous révélerai pas, mais qui annonce des aventures épiques à venir. Ce premier tome, je l'ai trouvé vraiment très sympa, le dessin, j'aime beaucoup. Et en même temps, c'est une narration assez lente, il se passe pas grand-chose. On a cet homme qui est vraiment qui doute de lui-même, cette femme qui essaye de lui remonter le moral, qui a quelque chose d'un peu étrange, on se doute qu'elle n'est pas tout à fait naturelle, que c'est pas juste une femme, mais on ne sait pas trop qui elle est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut exactement, et c'est assez intriguant, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de découvrir la suite, mais en attendant de m'acheter la suite, j'ai commencé hier soir le tome 2 de Pavillon des Hommes, que j'avais relu le premier tome la semaine dernière. Et c'est une série que j'avais envie de continuer depuis longtemps. En fait, je l'avais lu le premier tome il y a quelques années. J'avais bien aimé, puis j'avais acheté la suite. Et puis, comme beaucoup de séries dans ma bibliothèque, j'ai tendance à toujours commencer de nouvelles séries et pas continuer celles que j'ai déjà en cours. Donc, je me suis dit, voilà, le Pavillon des Hommes, il faut vraiment que je la reprenne. Donc, j'ai quelques tomes d'avance dans ma bibliothèque. Et là, j'ai commencé le tome 2. Donc là, c'est pareil, j'aime beaucoup les dessins. Nous sommes aussi dans une époque de samouraï. Mais, donc le Japon du 17e, si je ne me trompe pas. Sauf qu'une maladie a ravagé le pays et la plupart des hommes sont morts. Ça commence par emporter les plus jeunes et puis de plus en plus d'hommes. Il reste presque pas d'hommes. Et donc, ce sont les femmes qui vont prendre... les reines du pays, occuper les postes de pouvoir. Et à la cour du shogun, on va créer ce qui s'appelle du coup le pavillon des hommes, où on va regrouper les plus beaux jeunes hommes du pays pour le shogun, qui est donc une femme.
Et donc ça, c'était dans le premier tome, on découvrait le pavillon des hommes avec le dernier shogun qui prend le pouvoir et qui veut ramener un peu de sobriété dans ce pavillon et qui en même temps commence à chercher un peu l'histoire du pavillon. Et donc dans ce deuxième tome, on fait un bond en arrière dans le temps et on découvre la genèse du pavillon. Donc on découvre la première shogun femme, comment elle arrive au pouvoir, comment le pavillon est créé. Et on suit donc ce personnage qui est un moine d'origine noble, qui vient de prendre ses fonctions dans un temple, comme régent du temple. Et sauf que on le fait venir à Edo pour rencontrer le shogun. Il ne sait pas encore que c'est une femme et on va l'empêcher de partir et il va découvrir que le shogun est mort, que sa fille l'a remplacé, et je vous en dis pas plus, parce que sinon je dévoilerai trop l'intrigue. Hier soir, j'ai enfin commencé une autre lecture. Je cherchais une lecture qui soit à la fois en accord avec le Mars au féminin et avec les British Mysteries Half Months, organisées par Hilde, qui cette année n'avait pas pu organiser tout le mois de mars, donc ça a commencé le 15 déjà. Et donc je me demandais qu'est-ce que je pouvais bien lire dans ce cadre, et comme j'ai fini hier soir le livre numérique, qui se passe d'ailleurs aussi en Angleterre, j'essaye de lire tous les soirs un petit peu en anglais, pas forcément très longtemps, mais voilà, de lire au moins 10 minutes en anglais tous les jours. Du coup, j'avais un roman de fantastique en cours, je l'ai fini hier soir et j'ai décidé de ressortir celui-ci de ma bibliothèque. Je l'ai acheté il y a quelques années déjà et je ne cessais de repousser la lecture, donc je me suis dit qu'il était parfait pour ce contexte, à la fois écrit par une femme, à la fois par une Anglaise, enfin une Britannique, je ne sais pas si elle est anglaise, mais en tout cas elle est britannique. Et c'est fa fantastique, donc ça colle bien au... Enfin, c'est plutôt même un fantasy, puisque nous sommes dans un monde où la magie est chose courante. Donc là, voilà, j'ai piqué du nez vraiment après quelques pages, hein, donc j'ai pas beaucoup lu. J'en suis, je sais plus, à page 8, je crois. Mais pour l'instant, voilà, j'aime bien le ton, ça a l'air plutôt sympa. Alors d'habitude, les livres en anglais, je les lis sur mon téléphone pour avoir un dictionnaire à disposition directement avec mon pouce, quoi. Là, c'est clair que je vais pas aller chercher les mots que je connais pas, donc ça va être un peu plus difficile à suivre, mais en même temps, je me dis que, voilà, avec le contexte, et puis bon, je connais déjà l'histoire pour avoir vu le film, donc ça devrait aller. J'espère. Puis on est dans du livre jeunesse, donc le niveau de langue devrait être quand même assez facile à lire. Voilà, ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle, donc si je veux pas que ma vidéo fasse 3 heures, je vais m'arrêter là. On se retrouvera probablement demain pour un petit point lecture. Mais avant de vous quitter, je voulais quand même ouvrir ce paquet. J'ai commandé un livre. Alors, avec une seule main, je ne sais pas si j'arrive à l'ouvrir. J'ai commandé un livre d'occasion qui vient d'arriver. Hop, voilà. Pas facile. Voilà, l'effet du jardin. J'ai découvert ce livre grâce à la chaîne de Lyria Sel. Je ne sais pas comment prononcer, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Elle en avait parlé dans une vidéo, je ne les ai pas regardées dans l'ordre, donc c'est possible que ce soit une vieille vidéo, mais elle m'avait fait très envie et donc je l'ai commandé. Et effectivement, là je le feuillette, j'adore les illustrations, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les histoires de fées de jardin surtout, et ça me rappelle beaucoup mon enfance. Et j'adore ce genre de livre comme ça, avec des illustrations vintage. Donc voilà, je vais prendre le temps de le lire tranquillement et je vous en reparlerai après. Mais je voulais déballer le paquet avec vous. Ça y est, j'ai fini Possession de Mocha. J'ai beaucoup aimé cette lecture. On est dans un roman jeunesse vraiment écrit pour les plus jeunes. Je pense que je sais pas quel âge les conseillers, mais voilà, collège. Mais il y a vraiment du suspense, on est vraiment pris par l'intrigue, on a envie de savoir comment le héros va se sortir de cette maison
hantée. Et c'est vraiment très chouette. Il y a beaucoup de tension et en même temps, c'est vraiment gérable au niveau du stress. C'est pas un truc qui fait vraiment peur, quoi. C'est inquiétant, mais c'est haletant. Mimiko, quand elle a vu la couverture, elle a trouvé ça très sympa aussi. Donc, elle m'avait demandé de lui dire ce que j'en penserais après. Donc, je sais pas si elle va vouloir vraiment le lire tout de suite parce qu'elle a déjà, elle aussi, une pile bien conséquente. Mais maintenant que je l'ai fini, je vais lui conseiller parce que je pense que ça peut lui plaire aussi. Et je serais curieuse d'avoir son avis par rapport au mien. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. Et pour ceux qui aiment les histoires de maisons hantées avec des thrillers avec suspense, etc., c'est vraiment chouette. Nous sommes samedi et je rentre de faire un petit tour avec Mimiko et on est un peu craqué là. On est un peu craqué. On est passé chez Isekash, elle a trouvé trois mangas d'occasion. Et moi j'ai craqué pour cette vieille BD qui apparemment raconte un conte ou une légende germanique que je ne connais pas. Alors les dessins sont assez vintage, on va dire. Mais je connaissais pas du tout l'histoire, donc je me suis dit ça pourrait être intéressant, moi qui adore les contes et les légendes. Donc voilà, j'ai craqué. Puis je suis allée, tant qu'à faire un petit tour aussi à Noz, et j'ai trouvé aussi des petites lectures en plus. Ils ont rêvé l'Europe, préfacé par Christiane Taubira. Donc voilà, je trouve ça le sujet est très intéressant. Je ne sais pas du tout ce que ça va être les textes, si ça va être vraiment intéressant ou pas. Mais en tout cas, voilà, le projet de l'Europe, moi c'est un projet auquel j'adhère depuis le début. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'avoir une réflexion là-dessus. Et puis j'ai aussi trouvé le tome 4 de Peacemaker, un manga dont j'avais déjà les trois premiers tomes que j'avais également trouvé il y a quelques temps chez Noz, donc j'étais ravie de trouver enfin le tome 4. C'est pas, c'est une vieille série, je suis pas sûre qu'elle soit toujours commercialisée. Et puis j'ai craqué pour ce petit carnet. Alors hop, tout petit carnet, je l'ai trouvé trop joli. Et même si je n'ai pas d'utilisation tout de suite en tête, je vais le trouver. Bon, on n'a jamais assez de cahiers. D'ailleurs, avec Mimiko, on a craqué grave pour des carnets. C'est action. Donc, on a pris trois carnets comme ça avec des pages de trois couleurs différentes. Noir, marron et blanc. Moi, celui-ci, je le trouve très très beau. Mimiko a préféré celui-là. Comme ça, on n'aura pas le même. Moi, j'en ai pris un troisième parce que je trouvais ces fleurs vintage très jolies. Et je me suis dit, on a toujours besoin de carnets. Et elle s'est pris un carnet comme ça, avec une couverture marron lignée. Donc voilà pour nos petites trouvailles du jour. Et j'ai aussi reçu un colis. Alors j'ai préouvert le carton parce que c'est un peu compliqué. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc il y avait un peu de belles lectures à venir. Alors ça, je suis très contente de le recevoir parce que j'ai participé au MOOC organisé par l'Université de Liège la première année où ils avaient sorti ça, et c'était un MOOC vraiment très très intéressant. Donc je suis ravie de retrouver le MOOC en livre, histoire de me remémorer un peu tout ce que j'ai appris. Ensuite, hop. Ce roman ado qui me tentait beaucoup, c'est un peu du steampunk si j'ai bien compris. Alors, je vous lis toujours pas le résumé, hein, parce que moi, la lecture à voix haute, c'est pas ça. Mais ça me tentait bien cette ambiance un petit peu steampunk. Je suis très curieuse de voir ce que ça donne. L'hôtel des pourquoi pas, le troisième tome des enquêtes. Donc, comment elle s'appelle l'héroïne? Je ne me souviens plus. Angie, voilà. Ah oui, il y a les deux, là, deux premiers tomes qui sont là. Donc, je n'ai pas lu le premier, mais j'ai lu le deuxième, Souviens-toi de septembre, et je l'avais trouvé super chouette. Donc, on est sur des enquêtes policières, mais pour ados, avec une héroïne qui a 12 ans, qui fait des enquêtes avec son voisin, qui est commandant de police, et le chien du voisin, qui est aussi
Un policier, un chien policier. Et c'était très sympa, j'avais beaucoup aimé l'ambiance, donc je suis très curieuse de voir ce que va donner ce troisième tome. L'aventure, enfin celle-ci du coup je ne sais pas, mais je suppose que ça se passe toujours à Lille, puisqu'ils habitent à Lille, et c'est une ville que je ne connais pas du tout, donc ça me fait découvrir en même temps la ville. Alors celui-ci me faisait très très envie aussi, rien que la couverture, elle est magnifique. Et le pitch était très tentant aussi avec la tortue qui perd la mémoire et qui va chercher le carnet dans lequel il a noté ses souvenirs. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. En tout cas, le sujet a l'air bien tentant. Et encore deux livres. Alors, ça, c'est un roman avec comme personnage, du coup, Charles Perrault. Moi qui suis vraiment très portée sous les contes et les légendes, je trouvais l'idée très sympa. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire, celui-là. Il est petit, donc je pense que les autres aussi, hein, j'ai hâte de les lire. Mais celui-ci, comme il est plus petit, je pense que je vais pouvoir le glisser entre deux lectures assez rapidement. Donc, j'espère pouvoir m'y mettre pas trop tard. Et enfin, une bande dessinée de Rue de Sèvres. L'espace d'un instant. Alors ça, je me souviens pas. Je me souviens pas, je me souviens pas. En tout cas, ça a l'air bien tentant. Donc voilà, ça fait encore plein, plein de lectures. Je pense que pour ce mois-ci, lire autant de livres que de nouveaux reçus, ça va être compliqué. Il fait super doux, je me suis installée au jardin pour lire un petit peu en buvant mon thé. Non, c'est mon thé ça. Là, il fait très agréable, on est en fin d'après-midi, il fait encore un temps vraiment doux, le jardin est complètement fleuri. Je ne sais pas en vidéo si ça se voit très bien, mais il y a tout le prunier, les poiriers, le pêcher qui sont en fleurs, c'est vraiment super joli. Ici, il y a les monnaies du pape aussi qui ont fleuri. Oh, pardon. Très joli. Du coup, voilà, je vais en profiter, qu'il fait beau, profiter de ce jardin fleuri. Ça y est, j'ai fini le tome 2 de Le Pavillon des Hommes. C'est vraiment très, très, très chouette. Dans ce tome, donc, c'est vraiment l'histoire de la première femme shogun. Et on découvre comment le Pavillon des Hommes a été créé, etc. Et c'est très sympa. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le tome 3. Je ne sais pas du coup si on va reprendre l'histoire où on l'a laissée au tome 1 ou si on va la reprendre où on l'a laissée ici. Parce que dans les deux tomes, il y a un tournant. Et on sait pas trop, je ne sais pas trop ce que va nous raconter le tome 3. Après avoir fini Le Pavillon des Hommes, j'ai commencé ce livre que j'ai trouvé tout à l'heure à Nos, 3 euros. Je me suis dit, c'est intéressant. Donc là, j'ai lu juste la préface et puis l'introduction. Ça s'annonce intéressant. Maintenant, il commence à rafraîchir un petit peu. Donc je pense que je vais rentrer à la maison. Puis j'ai envie de faire un petit peu de pâtisserie. Donc je vais faire une pause à ma lecture là pour l'instant. Je viens de terminer Entre les lignes, un manga que Numiko avait emprunté à la médiathèque et qu'elle m'a conseillé de lire. Et effectivement, il est très chouette. On suit le quotidien de ces deux personnages. La jeune fille a 15 ans, elle a perdu ses parents et sa tante lui propose de venir habiter avec elle. Sa tante qui est écrivaine, elle travaille chez elle et elle a une personnalité assez particulière. Et donc toutes les deux ont d'ailleurs une personnalité assez particulière. Et on va voir comment elles apprennent à vivre ensemble. C'est très chouette. Donc, je pense que on en parlera sans doute la suite. Maintenant, avant que ça soit prêt à manger, je vais essayer d'avancer un petit peu dans ma lecture en anglais. Je pense que j'aurai pas trop trop le temps de lire mes 10 minutes parce que c'est bientôt prêt. Mais si je peux déjà lire 2-3 pages, ça sera ça pris. Nous sommes dimanche après-midi. J'ai pas mal travaillé au jardin. Et là, maintenant, je vais me poser un petit peu avec un thé et un manga. Mais avant ça, je vais finir le montage du vlog de la semaine. J'espère que ce nouveau vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et puis, on se retrouve sur le blog mapetitemediathèque.fr pour de nouvelles aventures livresques. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau vlog.